Eh bien salut à tous, c'est Raph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur FIFA 13 PlayStation 3. Et donc voilà, on va se faire un petit match en ligne. Et puis j'ai pas mal de trucs à vous dire à propos de ce FIFA 13. Donc on va commencer tout de suite le mode face à face. Donc c'est en gros un mode 1 contre 1, donc on va laisser comme ça. Je vais prendre le Real de Madrid. Donc apparemment il y a une bonne connexion, c'est déjà ça. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. Voilà, il prend le maillot rouge, le bonhomme, c'est parfait. Alors, gestion d'équipe. Donc oui, j'ai pas mal de choses à vous dire, je vous en reparlerai pendant le match. Donc je vais mettre Benzema devant. Je pense que je vais prendre Modric aussi. Non, remarque, je vais laisser Ozil. Bon, on va y aller comme ça. Allez, hop là, je suis prêt. Donc premièrement, c'est le commencement d'un projet qui me tenait à cœur. Donc c'est Raph versus abonné. Donc après je sais pas, essayez d'ailleurs de trouver un petit nom sympa pour cette série que je veux faire. C'est en fait par exemple faire une vidéo par mois sur FIFA 13 où j'inviterai un abonné qui a la FIFA 13 sur PlayStation 3 et on fera un match ensemble, que je gagne ou que je perde, je le posterai sur ma chaîne et je le commenterai en off. Donc malheureusement je suis vraiment désolé pour les joueurs Xbox 360 ou PC, mais je n'ai ce jeu que sur PlayStation 3, donc c'est vrai que ça privilégie un petit peu les joueurs Xbox. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas avoir toutes les consoles non plus, je pense que vous le comprendrez. Je risque de me faire éclater dans cette partie, parce que je suis vraiment pas très bon à FIFA. Hein. Et souvent je tombe contre des joueurs plutôt pas mauvais sur FIFA. Hop là. Je vais un petit peu accrocher. Ensuite, j'avais un sujet à évoquer. Est-ce que le prix des FIFA est justifié? Vous savez que FIFA 13 et puis tous les FIFA leur sortie valent 70€. Est-ce que c'est justifié un jeu à 70€ alors que finalement c'est qu'une mise à jour des précédents FIFA? Il n'y a pas un nouveau moteur graphique, il n'y a rien de qui est vraiment évolué, on va dire, enfin qui... Je sais pas trop trouver mes mots, attendez, je vais essayer de me concentrer pour peut-être marquer. Attends, on va le prendre comme ça, petite frappe enroulée. Ouh, c'était bien joué. Donc je vous préviens, quand je joue à FIFA, je prends vraiment ça à cœur et je risque de faire des cris un peu bizarres et tout, mais c'est comme ça qu'il faut. Oh, dommage. Donc ouais, est-ce que le prix des FIFA, 70€ par an, est-ce que c'est justifié? Pour moi, je vais vous le dire honnêtement, je trouve pas. Parce que pour moi, un FIFA, je vais vous dire tout de suite... Oh, attendez, oh, je peux le récupérer. Le but va être très moche. Oh, putain, poteau. C'est pas possible. ouais, voilà, le prix des FIFA n'est pas justifié. Pour moi, 70€ par an à dépenser dans une mise à jour d'un jeu, c'est pas bon. Et pour moi, en fait, FIFA, si tout le monde l'achète, c'est un phénomène de mode. Puisque vous jouez avec vos potes. Et puis, quand FIFA 13 est sorti, on n'allait pas rester sur FIFA 12. Et pour moi, c'est un petit peu ça, les FIFA. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours un jeu qui est aussi jouissif, mais pour moi, je sais pas, genre, tous les deux ans... Oh putain, oh non, 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 il va pas marquer là, il va pas marquer là, il va pas marquer là. Non, il l'a mis, non, putain, je suis dégoûté, il m'a un but tout moche, c'est une vieille... Ah, c'est ça de parler en même temps. Attendez, je vais vite égaliser, vous en faites pas. Enfin, du moins, j'espère. Il laisse bien le ralenti, en plus, cet enfoiré. Ouais, donc pour moi, je sais pas, il devrait faire genre une mise à jour, vu que tout le monde à présent a une connexion internet. Il devrait faire une mise à jour tous les ans. Enfin, ouais, tous les deux ans, on va dire. Qui coûte, je sais pas, 30€ peut-être, sur le PSN ou sur le Xbox Live. Et puis tous les deux ans, qu'il nous fasse payer un autre jeu 70€, je sais pas si vous m'avez compris. Mais pour moi, ça serait beaucoup plus justifié, on va dire. Parce que y a pas non plus des évolutions incroyables. Bien que le premier toucher de balle, ça influe quand même beaucoup sur le gameplay sur FIFA 13. Et voilà. Également, je souhaitais vous remercier pour les 7000 abonnés. Parce que voilà, on les a dépassés très récemment. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vois que ma communauté est encore grandissante. Purée, c'est pas possible. Je fais n'importe quoi. Donc après, là je vous parle un petit peu, mais après j'essaierai de me concentrer. Vous verrez que ça passera mieux. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'un grand merci à tous pour ces 7000 abonnés. Le santé moche. Allez, je la récupère. Parfait. Allez, on va la passer. On va jouer collectif. De toute façon, je sais pas encore très bien aligné tous les gestes techniques. Oh, putain. Oh, 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 oh. Attendez, je peux aller le chercher, Benzema, non. C'est trop loin. Donc là, c'est Real, il a pris qui FC Barcelone, ok, donc c'est un classico.
FC Barcelone? Non. Paris Berry au Barça. J'ai même pas vu qui c'était. On verra à la mi-temps. Je suis pas non plus un très grand expert en football. Donc vous m'excuserez, je peux dire des conneries. Allez. Ah putain, je voulais passer à centre, mais c'est trop tard. Faut vraiment s'y habituer à ce premier toucher de balle. C'est vrai que c'est un truc qui influe vraiment beaucoup sur le gameplay. Toi, tu vas pas aller plus loin que ça. Putain, mais c'est pas possible, il y a tous les comptes favorables. Allez, donne-moi ça. Donne ! Ballon ! Ballon à moi ! Putain, mais c'est pas vrai, hein. Il joue pas super bien en plus, je trouve, en face, mais c'est moi qui je fais un petit peu n'importe quoi. Donc on va essayer de un petit peu mieux se concentrer. Allez. On garde la balle. Marcelo. Oula. Donc c'est vrai que ouais, cette petite série que je veux faire, Ravez s'abonner, ça pourrait, je sais pas, un petit peu faire du FIFA sur ma chaîne. Et vu que, à mon avis, je vais beaucoup y jouer, ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas déjà à me dire hein, si vous avez ce jeu sur PlayStation 3. Je vous ajouterai à ma liste d'amis. Et puis voilà. Oh putain, mais il me plante un deuxième but, mais c'est pas possible. Putain, mais il joue mal en plus. Attendez, alors là, je vais certainement moins parler, mais je vais lui mettre des buts. Alors attention. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Il met des buts tout. Ça m'énerve. Tout ça parce que c'est moi qui fais du caca. Allez, putain, passe les ralentis, franchement. Allez. Ça va pas le faire, cette perte de but à 0. Au moins sauver l'honneur. Perte de 1. Allez. On essaie de jouer correctement. Bien joué, bien joué, bien joué. Non ! Donne-moi cette balle. Allez. Non, non ! Allez, la passe ! Mais pas là ! Putain, je voulais pas la faire là, c'est pas grave. Je l'ai ! Oh non ! Bon, elle était cadrée. Elle était cadrée. Je vais essayer de frapper un beau corner. Oh, il est bien tiré. Deuxième poteau. Ah, oh, dommage. Dommage. Ah, oh, mais il y a encore corner. Ok. On va tirer. Premier poteau cette fois. Oh, oh non! Oh non! Allez, but! But! Non! Je suis dégoûté. Bon, il y a encore corner, je crois. Ouais. Allez. Putain, c'est pas possible ça. Hey, je vais y aller bourrin à force. Allez, non, non. À moi, ballon. Putain, ça va pas le faire, ça perd 2-0 à la mi-temps. Merde, pourquoi j'ai taclé là? Putain, ça m'a changé de joueur automatiquement, ça l'a fait tacler, du coup j'ai perdu de là. Putain, il va me la mettre là, vous allez voir, il va faire une petite passation. Vieux joueur de merde là. Ouais, c'est bon. Heureusement que Casillas était là. Allez. On se concentre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. De perdre comme ça, ça de toute façon, c'est le phénomène vidéo. J'étais sûr que j'allais perdre. Parce que je suis en train de faire une vidéo. Auto crochet. Voilà. On l'élimine. Oui, but en pleine lucarne de Karim Benzema. Magnifique but. Alors là, j'ai bien lui laissé les ralentis pour. Il m'a assez énervé comme ça. Oh, il est beau, en pleine lucarne, plat du pied. Bon, allez, je reviens à 2 buts à 1 juste avant la fin de la première période. C'est encore jouable. Et je pense que ça devrait le faire. Putain, je vois. Quand je criais, je vois la barre des. Ah merde, putain, j'avais un compte là. Parce que j'ai. En fait, j'enregistre avec Audacity et donc je vois le. Bah, les graphiques quoi du son. Puis je voyais quand je criais que c'était énorme, ça m'a fait rire. Et voilà, donc j'ai un petit peu plus de possession. Disons que c'est équilibré, 51-49. C'est un peu du kiff. Truc dans le nez. Yeah. Allez, Xavi Alonso. On fera peut-être un petit changement. Je vais essayer de plus jouer sur. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh putain, c'était joli ce que j'avais passé. J'arrive plus à parler. Marcelo. Ah, oh. Je vais l'avoir. Bon allez, franchement je peux égaliser, c'est vraiment faisable. Lui ce qu'il y a c'est qu'il joue beaucoup en contre.
pourra rien faire, là il n'y a personne au centre. Voilà. Oh non, non, putain, je l'ai passé trop tard. Putain, je fais encore des erreurs à la con. J'espère en tout cas que je vais vite progresser sur ce FIFA 13. Allez, je peux le faire là. C'est jouable. C'est jouable. Non, putain, mais pourquoi Benzema il s'est barré comme ça au moment où je lui fais la passe? Pourquoi il s'est barré? Donc également, à l'heure où vous allez regarder la vidéo, normalement je serai au salon de l'auto, au mondial de l'automobile. Puisque bah, j'y vais mardi et mercredi. Donc mardi 2 et mercredi... Non, j'y vais que le mercredi 3, pardon. Le mardi, c'est le jour où je pars. Donc j'y vais avec mon lycée, donc c'est pour ça. Allez, oui. Et le deuxième but, l'égalisation. L'égalisation de Di Maria à la 57e minute, c'est magnifique. Putain, lui, je lui mets des beaux buts par contre. Regardez le petit truc, paf. Enfin, certains me diront que ce but était moche, mais je m'en fous. Non, voilà, c'est vrai que FIFA, bon, j'ai beau dire que bah, que ça ne valait pas leur prix, mais je trouve que c'est par rapport à leur évolution au fil des années. Mais après, c'est vrai que ça reste toujours des jeux très très sympas à jouer. on a fait tché tché là. Bon, il a un coup franc qui est quand même bien placé là. S'il le tire bien, qu'il me plante une belle tête, il a moyen de faire des belles choses, mais il l'a tiré comme une. Je trouve pas d'insulte, donc je vais rien dire. Allez. Allez, oui, je l'ai. Allez, c'est faisable, un petit contre. Allez, c'est bien joué. Benzema. Non, putain, j'ai pas fait la bonne. Le bon geste. J'ai poussé le ballon trop loin. Il sort en touche, c'est parfait. J'ai même pas regardé quel club c'était au fait. Parce que FCB c'est. Ah bah c'est peut-être le Bayern, non? Football club de Bayern. Parce que vous tirez bien. Ça doit être le Bayern. Ça doit être le Bayern. Non putain, c'était pas là que je voulais la mettre. Ça c'est encore un truc où j'ai du mal, c'est que là par exemple vous voyez je voulais la mettre droit devant moi et en fait je l'ai mis à gauche. Faut encore que je m'habitue à ce genre de choses. Oh il a bien joué. Il a bien joué le coup. Putain, c'est pas possible. Oh c'est pas possible. Oh, merci Casillas. Je suis revenu à deux partout, ça serait con de me prendre un but maintenant. Oh putain, il n'y avait pas de joueur. Ouais, il fait faute. Carton jaune, monsieur l'arbitre, minimum. Voilà, carton jaune pour Schweinsteiger. Ouais, c'est le Bayern de Munich. C'est bien ça. Putain, il y en a, ils ont dû se tirer les cheveux en m'entendant dire que c'était FC Barcelone. Mais c'est vrai qu'en voyant FCB, je sais pas, je... J'ai eu un moment d'hésitation, après quand j'ai vu Ribéry, j'ai bien compris qu'il était pas au Barça, mais bon, là j'ai eu de la chance, vraiment j'ai eu de la chance, parce qu'il a un petit peu mal joué son coup. Allez, un beau centre, la tête, oui la tête, la tête qui est au fond des filets de Ozil à la 70e minute, c'est magnifique. Il est joli ce petit centre là, regardez, la tête piquée, magnifique. Putain, et mon Audacity s'affole complètement dès que je gueule. Oh, je vous jure, les barres elles sont... Je dois tirer 200 000 décibels. Allez, je récupère le ballon. Ah, bien joué le tacle. Allez. Ah non. Yeah. Non. Dommage. Après, je ferai peut-être un petit changement. D'ailleurs, ah merde, j'ai pas la balle, je peux pas faire mon changement. Faut que je récupère le ballon. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer en ligne. Et ça, c'est un truc qui est assez dur aussi. C'est que... Oh putain, non. Oh putain, il m'égalise. Oh putain, c'est pas possible. La vieille égalisation toute pourrie. Non, j'en ai marre. Non, il était joli son but. J'ai vraiment très très mal défendu. Vu que je voulais juste récupérer le ballon pour faire mon vieux changement. Alors, gestion d'équipe. On va voir ceux qui sont fatigués. On va peut-être changer Benzema. On va mettre... Bah, Higuain. Et Di Maria, on va le faire sortir, on va mettre Modric à la place, je crois que c'est son bon pied. Donc voilà, allez, on va essayer d'en remarquer un petit. C'est tout à fait faisable, mon cher Thierry. Ah dommage, putain, il a bien défendu. J'ai mon PC qui se m'envahit, ça va pas le faire, ça me stresse quand les écrans s'éteignent. Voilà. Fait tourner les serviettes.
Wow, il va se calmer, lui. J'ai cru pendant un instant qu'il était hors jeu, mon joueur. J'ai eu de la chance. Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait, Benzema? Il a oublié la balle. J'ai bien fait de le faire sortir. Oh non, non, non. Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Putain, il est pas hors jeu, l'enfoiré. Non! Non! Oh non, là, franchement, j'ai les boules. Hein. Oh alors là, vraiment, j'ai les boules. Putain, il passe devant. Il prend de l'avance. Il prend de l'avance, l'enfoiré. Oh non. Là, franchement, j'ai les boules. Oh là là. Faut que je prenne deux buts, là. Ah non, c'est où? Mais d'accord, mais je crois qu'il avait deux buts d'avance. Bon. Allez, c'est encore faisable, c'est encore faisable. Allez, non. Faut pas que je me précipite. C'est toujours ce qu'on a tendance à faire et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, s'ils viennent, je prends ma revanche. Je ne vais pas rester sur une défaite comme ça. Ça ne se fait pas. Allez. Ah, c'est pas possible. Je l'avais dit, le phénomène vidéo. Je peux encore égaliser. Oh, putain. Putain, il va... Franco, lui. Tiens, foiré. Carton. Alors là, je me prends un rouge direct. Ah non, carton jaune. Putain, j'ai vraiment de la chance. Parce que là, je l'ai quand même bien fauché. Allez, on s'en fout, putain. Allez, allez. Mais on peut pas passer ça? On s'en fout, c'est nul. Voilà. Tu veux. Alors là, il a vraiment tiré comme une quiche Lorraine, son truc. Ballon. Oh putain, je me fais prendre. Ça va pas le faire là. Je suis sûr qu'ils vont m'en mettre un autre. Et voilà, je défends vraiment comme une quiche. Il m'en met un autre. Oh putain, Casillas, il est vraiment bon par contre. Hein. Mais là, c'est trop tard pour l'égalisation, je crois. 90e minute. J'aurais peut-être juste une balle de contre. Allez, Casillas, relève-toi vite, relève-toi vite, relève-toi vite. Allez, on la met, on la met, on la met. Mais non, mais pourquoi je fais des balles? Putain, mais. Ah là, vous m'écoutez rager, mais je m'en fous. Allez, 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 allez. Allez, on est parti, on est parti. Non, non. Je me précipite là, je fais n'importe quoi. Allez, allez, allez. Putain, regardez-moi ça. Il fait même pas de geste technique, il arrive à me passer tellement que je suis nul. Allez. Alors là, je m'étais pris deux buts à la con. En début de première période, je m'en fous. Donc voilà, on se retrouve, donc je vais quand même vous refaire un petit match parce que la partie de tout à l'heure a planté tout au début, donc je me suis dit que ça aurait été mieux de... Oula, un PSG. Bah je vais écouter, moi je vais rester avec le Real. Alors est-ce qu'il va vouloir faire un classico ou ce petit Bobby? D'accord, il a quitté, bon, comme ça au moins, c'est clair. Allez, face à face, on recommence. Madrid, lui il prend Manchester City. Allez hop là, on est parti. Voilà, c'est parfait les maillots. Jouer match. Aucun changement. Donc je vais peut-être me faire exploser. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, je vais essayer d'un petit peu mieux jouer. Et voilà, en tout cas, ouais, c'est vrai que ce FIFA 13, ce qui change surtout par rapport au 12, c'est le premier toucher de balle. Après, graphiquement, c'est la même chose. Il y a des petites nouveautés aussi au niveau, ce qui est des niveaux commentaires. C'est-à-dire que quand un joueur est blessé, eh ben il va dire « Oui, mon cher Thierry, alors que se passe-t-il au niveau des vestiaires, machin ?» Et puis voilà, il va faire genre « Oui, pour l'instant, aucun joueur n'est en train de s'échauffer, donc ça devrait aller, machin. » Voilà, donc c'est vrai que c'est assez marrant de regarder ça. Et ça augmente le réalisme, forcément. Donc là, bah, j'ai toujours rien à faire, c'est génial. Wouhou! Donc, ouais, contre City, j'ai déjà joué une fois bah, avec un pote. C'est pas une équipe qui est facile à jouer, hein. Franchement, ils se débrouillent plutôt bien. Et ça devrait être un match plutôt équilibré. Ou plutôt déséquilibré si je me fais éclater. En tout cas, ça m'étonnerait que ça soit l'inverse. Et que ça soit moi qui éclate mon adversaire. Hein. Ça m'étonnerait très fortement. Ça se peut, on est contre un très bon joueur. Peut-être un joueur de compétition, de FIFA, je ne sais pas. Allez,
Touche pour moi. Ouais, déjà je concède la touche, c'est déjà plutôt pas mal. Non, je la concède ou je la... Je sais même plus quand on dit, quand est-ce qu'on concède la touche. Non, là j'obtiens une touche. Enfin bref, on s'en fout. On va essayer de faire un bon match. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, le match de tout à l'heure m'a vraiment fait rager. Allez, oh c'est beau. Oh, dommage. Oh, je la récupère. Je la récupère. Non, dommage. Oh, ça aurait pu être beau. Bah, que je me fasse éclater ou pas, de toute façon, je mettrai ce gameplay dans la vidéo. Je m'en fous. Je vais essayer quand même de gagner. Je vais tout faire pour, mais il a l'air de pas trop mal se défendre, le bonhomme. Allez, non. Allez, bien joué, cette petite passe en profondeur. Allez, allez, pour moi. Allez, à moi, à moi, à moi. Voilà, parfait. Allez, oh oui, je le passe, je le passe. Allez, on déborde, sur l'aile droite. Le crochet. Ça change tout, ça... Oui, il revient en arrière. Allez, magnifique, magnifique, magnifique. Oui, c'est... Bolet, 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 bolet. Goal. Goal. Eh oui, il s'essuie les épaules sur cette action, c'est magnifique. Quel but complètement moche. Oh putain, oh il était moche ce but. Hein. Mais bon, j'ouvre le score. Bon, j'espère que mon adversaire ne va pas racheter. Dans tous les cas, c'est la dernière partie que je fais. Après, je pense que la vidéo sera trop longue et ça vous saoulera certainement. Et je récupère le ballon. Ah, dommage. Donc ce qu'il y a, c'est que dans un FIFA, rien n'est joué, surtout en ligne. Parce que bon, l'IA est adaptée par rapport au score et tout, mais en ligne, c'est vraiment rien n'est joué, c'est jusqu'à la dernière minute que ça se joue. Donc là, il y a faute pour qui, là, je comprends pas. Pour moi, ok. Il n'y avait pas forcément faute, mais... Si l'arbitre le dit, on va obéir à l'arbitre, de toute façon, on est bien obligé. En fait, ce qu'il y a, c'est que le Real, il joue très très haut, et en contre-attaque, on est un peu dans la mouise. Ça a vraiment frôlé la barre, là. Ça a vraiment frôlé la barre. Bon, allez. Allez. Oh, putain, mais à chaque fois que je fais un geste technique, il me la récupère. Il fait des beaux tacles glissés. Allez. Il court vite, c'est joueur. Il court vite, il court vite. Il court vite, il court vite. Je la récupère, je la récupère. Dégage-moi ça, dégage-moi ça. Non, ok. On peut la faire en passe. C'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Oh, putain. Pas la prière de plein axe comme ça, c'est pas bon. Le bon jaillissement de Pépé. Allez. Ah putain, c'est trop long pour Cristiano Ronaldo. Donc dites-moi ce qui a amélioré dans mon jeu, parce que je suis premier en tous les cas. Vraiment, dites-moi. Putain, mais regardez ça, l'espace que je lui laisse. Il est hors jeu, il est hors jeu. C'est bon. On va balancer ça loin devant. Pour donner un petit peu d'air. Ouais, dommage. Alors là, je sais pas à qui voulait faire la passe. En tout cas, ça va tout droit dans les bras de Casillas. Ça rimerait presque, dis. Ouais, le petit jeu en triangle, ça marche toujours bien, ça. La passe en profondeur. Je l'ai vu. Oh, j'ai cru que ça allait passer. Hein. J'y ai cru. Malheureusement, je suis en train de confondre l'arbitre avec mes joueurs adverses, c'est bizarre. Ils ont presque la même couleur de maillot. Allez, oh c'est, je crois que je suis hors jeu, je crois que je suis hors jeu. Non, je suis pas, ah si, je suis hors jeu. Dommage. C'est bien dommage. Ah, de peu, hein. De peu, mais la balle était quand même bien lancée, il faut l'avouer. Allez. Oh, oh non, j'ai cru que j'ai récupéré. Bien joué, bien joué, bien joué de sa part, bien joué de sa part. Il arrive. Ah non, c'est... Putain, il l'a mise là. Oh, je la voyais carrément à l'extérieur. Bon bah, bien joué à lui. J'ai défendu comme une balle encore une fois. Attendez, je vais voir ça. Ah ouais, bon, écoutez. Bien joué à lui. On va essayer de... Bah, d'en remettre un, hein. On va essayer d'en remettre un. Allez. Petit crochet. Ah, dommage.
fait, je joue trop. Comment dire? J'ai l'impression que je. Bah, je sais pas me créer d'espace en fait. Dans le camp adverse. C'est un petit peu ce qu'il faut que j'améliore dans mon jeu, mais après, comment faire exactement, je ne peux pas vous dire. Je suis trop nul pour ça. Oh! Donne-moi cette balle. Voilà. Putain, elle va aller en touche celle-là. Il joue avec le feu, il joue avec le gars. Ah. J'aurais été content de mettre un but comme ça. Mais c'est vrai que c'est. FIFA, ça reste un jeu où un mec qui a du niveau peut perdre contre un mec qui a pas forcément de niveau. C'est. Enfin, je trouve que ça a toujours été ça sur FIFA. Ça dépend vraiment du type de jeu. Mais les équipes ont vraiment leur importance. Hein. Et c'est clair qu'une grande équipe. C'est. Enfin, le gameplay est vraiment différent si vous prenez le Barça que si vous prenez une petite équipe française ou quoi que ce soit. C'est. Le style de jeu est totalement différent. Oh putain, merde, j'ai vraiment joué comme une quiche là. Allez. Essayer de prendre une petite avance. Oh putain, il a vraiment bien joué, il va la mettre. Il l'a mis au fond. Bon bah écoutez, je me fais encore éclater. Je me fais encore éclater. Ah si, j'en ai vraiment marre de perdre là. Je fais que de perdre. Je fais que de perdre. Il est en train de me solliciter sur Skype. Je verrai ça après. Allez. Allez, il faut jouer collectif sans s'énerver. Donc vous voyez que je serai une cible facile hein, en jeu contre vous. Si quand je ferai une petite série. Je pense qu'à mon avis je vais beaucoup perdre contre mes abonnés. Hein. C'est bizarre, mais j'ai ce pressentiment. Putain, il m'en plante un troisième! Non mais ça vous voyez, ça m'énerve parce que regardez le gardien. Vous avez l'impression que la balle lui passe à travers. En vrai, jamais ça passe un ballon comme ça. Putain, mais ça j'ai jamais compris, hein, vraiment. J'ai jamais compris les ballons comme ça. Regardez ça. Regardez! Il tire! Et le gardien, non, il la laisse passer. Pourtant, c'est quasi est-ce que c'est pas. C'est pas le gardien du quartier, quoi. Allez. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Non, mais. Putain, je tire trop tard. Il me récupère la balle. Et. Ah, putain, il gagne 3-1 à la mi-temps. Là, vraiment, je suis dans la merde. Non, 2-1 ou 3-1. 3-1. Je suis dans la mouise. Bon, allez. Continue. On va essayer de. De revenir à la marque. Parce que bon, deux défaites dans une vidéo, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Mais pas lui! Mais putain, je voulais la faire un chute de gauche! Il la fait pas celui que je veux! Ça commence à me plaire, ça aussi. Je sais que vous aimez m'écouter rager. En tout cas, FIFA, c'est vrai que c'est le jeu sur lequel je rage le plus, je crois. Même Call of, j'ai jamais ragé autant que sur un FIFA. Oh oui. Non, mais. Je fais n'importe quoi. Surtout que regardez, c'est pas des. Enfin, je trouve. Enfin, il a peut-être du niveau quand même en face. Il joue quand même pas trop mal, mais. C'est pas des joueurs qui sont sur une autre planète non plus, quoi, je veux dire, ça. Oh. Allez. BOUM! Ça t'en fout de filet! Eh oui! Oui, monsieur! Oh, il est beau le but. Il est beau le but. Il était tout seul. Bon, allez, je suis plus qu'à un but de légalisation. C'est encore faisable. Bon, dans tous les cas, même si vous m'avez vu perdre, vous aurez vu des buts. Hein. Ça, c'est clair. Allez. Oh, bien joué. Bien, hors jeu là. Il est pas hors jeu. Oh putain. Voilà. Heureusement qu'il a foiré, je crois. Parce que sinon j'aurais pu prendre cher. Putain, mais y a pas de joueur là, d'accord. Ils sont tous repliés, mes joueurs.
Ils ont eu raison, remarqué. Allez. Oh, je l'ai mis dans le vent, lui. Ah non, non, non. Allez, j'ai un bon coup à jouer, là, il y a un bon coup à jouer. Oui. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Oh, dommage. C'est vraiment dommage. Putain, il est bon, leur gardien, là, c'est... Je me souviens plus de son nom. Oh, la tête. Oui, la tête au fond des filets de Higuain. Oh, oui. Oh, putain, que ça fait du bien, un but comme ça. Là, que ça fait du bon. C'est ça qui est bon par FIFA, quand on se prend des buts, on rage, mais alors quand on en est, comme on est content. Bon, les 3 buts partout. C'est encore faisable. C'est encore faisable. Allez, je me prends pas là. Faut bien que je joue le coup. En fait, c'est surtout défensivement, je crois, que je joue très mal. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à améliorer. Allez, là-bas, il y a un bon coup. Ah, putain, non, je veux pas bien mis du tout. Surtout qu'avec la pelouse mouillée, la balle, elle fuse. En fait, je crois que je me jette trop en défense. Faut que je reste plus... plus sur moi-même, quoi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais faut moi que je me jette tout simplement. Allez. Oui. Non, pas lui, mais je vous. Je l'ai pas fait assez long. Alors lui, je l'ai encore mis dans le vent. Non. Oh, ce qu'il a fait. Mais pourquoi ma balle elle est partie comme ça? Je crois que j'ai pas fait la bonne touche. Je sais pas. J'ai ripé sur une touche, je sais pas. Enfin, dans tous les cas, c'était nul ce que j'ai fait. Non, 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 putain, la contre-attaque, là, c'est pas bon pour moi, ça. On se replie, on se replie. On se replie. C'est d'accord, c'est nul ce que je viens de faire. Genre, en fait, je voulais tacler, mais je récupère la balle avant. Donc. Bon, allez, sortie de but. C'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qui se passe? Pour les scouts. Ok, il se prend un carton jaune, bon, c'est parfait. Bon, ça me va, hein. Mettez-en plus souvent. Allez, dégagement de Ricker Casillas. Je crois que c'est Ricker, je sais pas quoi, un truc comme ça, son nom. Enfin, son prénom plutôt. Oh putain. Ouais, mais je crois qu'il était hors jeu en plus, parce que là, franchement, je me serais pris un but à la con comme ça. On va au pressing, on va au pressing. Putain, il joue bien, regardez, il trouve toujours des solutions et tout. Allez. Non, il court pas assez vite, Higuain. Bon, allez, pour les 10... Ah merde, j'ai pas le ballon. Allez, putain, enlève-toi, message de merde, je vois rien. Putain, il va pas s'enlever, ce message, hein. Ah bah dis donc. C'est bon. Pour Casillas. Allez. Petite gestion d'équipe. On va remplacer Higuain. On va mettre Benzema à la place. On va mettre Fabio Contrao derrière. Di Maria. Ouais. On va faire ça. Allez. Trois changements d'un coup. Ça fait toujours du bien. Allez, touche pour moi. Allez, je peux la marquer là, ça serait vraiment bon. Juste à la fin. Avec 3 joueurs neufs là, ça serait juste parfait. Donc, alors ça par contre, c'est un moment très chiant quand vous faites des changements. C'est que vous regardez votre joueur qui va se faire remplacer. En 3 quarts d'heure, je crois que ça doit charger l'animation en attendant.
Ah, dommage, mal joué mon coup, là, j'avais trop poussé mon ballon. C'est ce premier toucher de balle, hein, qu'il faut arriver à gérer, encore une fois. Oh, bien joué. Oh, il a vraiment très très bien joué, putain, heureusement que Casillas était présent sur ce ballon. Allez. Allez, j'ai avancé. On va comme ça jusqu'à la cage, moi ça me va. Solution. Oh, petite faute là, non? C'était régulier pour monsieur l'arbitre. Putain, il reste à terre, mon joueur, putain, mais t'aurais bougé ton cul, Benzema, là, on aurait pu marquer, putain, sans déconner. Des vraies chochottes. Des vraies chochottes. Bon, allez, bah, je crois que ça va aller. Prolongation uniquement. On va faire ça. Mais il a quitté ou quoi, là? Attendez, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok. Même c'est que j'ai dû mettre start, je sais pas. Allez, on est parti. Donc là, je crois que ça va être que de la prolongation. Parce que bon, prolongation est sur le but. C'est bon. Oh non. Heureusement qu'il me restait un joueur derrière, parce que sinon j'étais dans la maison. Faire tourner, faut rester dans son camp un moment là, sans se précipiter. Ah, c'est dommage là. J'ai pas très très bien joué le coup. Oh non, je me suis trop jeté. Je me suis trop jeté. Oh, oh, Casillas, impérial. Et... Oh, ouais, j'ai cru qu'il siffle le pénalty là, j'aurais dit oh mon coco. L'arbitre là, j'aurais chopé à la sortie. Allez, oui, pour moi. Mais non, mais fais la passe en profondeur plutôt, nom de Dieu, lui décide de la contrôler avec ton bide. Voilà, on récupère. On fait tourner. Ah, j'ai vraiment mal joué, j'ai vu qu'il était parti en plus. Faut tenir la pression, 3 buts partout. Dans tous les cas, je me serais bien défendu. Vu que le premier match, j'ai fait n'importe quoi. Wow, wow, wow. Un peu de flottement dans la défense, encore une fois. Bien joué, bien joué, attaque. Bien joué, bien joué, bien joué. Wow. Mais qu'est-ce qu'il... Et alors là, il a dû se tourner la jambe, mon pauvre joueur. Là. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, allez, première période de la prolongation. C'est fait. Allez. C'est ma dernière chance pour gagner ce match ou pour le perdre. Non. Mais pourquoi il... Regardez, là Benzema il a sauté par-dessus la balle alors qu'il aurait pu la... Il aurait pu quand même la ralentir le ballon. Putain. Faut que je comprends pas tout. Est-ce qu'il y a des boutons à appuyer dessus pour que ça fasse ça? Bon allez, Cristiano Ronaldo. La forme de Cristiano Ronaldo. Deuxième forme de Cristiano Ronaldo. La frappe de Cristiano Ronaldo qui passe à côté. C'était bien joué là. C'était bien joué, mais ça n'a pas suffi pour que cette balle atterrisse au fond des filets. Ouais, 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 non! Ouais, oh, joli tacle. Joli tacle.
J'ai le retour de la défense madrilène. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Je crois que ça va terminer sur un match nul, tout ça. C'est ballot parce que je me prends vraiment des buts à la con. C'est à cause de ça que je finis par perdre. Ah non! Putain, et puis je fais n'importe quoi là. Oh! Oh, comment il m'a fauché! Mais oh! Il est. Putain, il a sifflé avantage et puis. Oh là là, mais alors l'arbitrage, ça, j'espère vraiment qu'ils vont vite sortir une mise à jour parce que. Je vous garantis, des fois, vous touchez à peine un joueur, il va vous mettre un jaune. Des fois, vous le fauchez, vous le défoncez. Il va rien vous mettre. Bon, bah écoutez. En tout cas, fin du match, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que bah, ma petite idée de série vous plaira également. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ça aura quand même été une vidéo assez longue pour du FIFA. Et puis à la prochaine. Allez, tchuss!